Salut, on se retrouve ce soir pour faire passer un message. Les guides me disent que des personnes sont en attente de communication. Et j'ai le sentiment ce soir que cela s'adresse à des femmes trentenaires. Alors, je ne choisis pas l'objet des canalisations pour les personnes qui découvrent la chaîne. Ce sont les messages, les guides qui viennent à moi pour transmettre des messages. Je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'une femme dans le tirage et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut éventuellement parler de la personne de cœur. Alors vous pourrez reconnaître plusieurs personnes dans le tirage, peut-être des personnes de l'entourage. Je vous laisse faire le tri dans les messages que l'on me donne. Pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, je mettrai dans la description de la vidéo le lien de réservation pour prendre votre guidance en ligne suivant vos disponibilités. Vous pourrez ensuite choisir la guidance qui vous convient, la durée qui vous convient. Je rappelle que j'ai besoin des prénoms et dates de naissance, et que vous avez, comment dire, un nombre de questions illimitées dans le temps imparti, suivant ce que vous aurez choisi. Et on me dit qu'on commence. Ici, on me dit qu'il faut travailler l'ancrage, on me dit que c'est nécessaire. On dit nécessaire pour dormir. Ici, je ressens des personnes là dont l'esprit est occupé par une personne. Une personne négative. Et j'ai plus ce sentiment que cette personne négative est une femme. Et c'est comme si on réfléchissait beaucoup la nuit et qu'on n'arrivait pas à dormir. J'ai même ici des personnes, là, des femmes, qui passent, comment dire, j'ai vraiment cette notion où on fait une revue de sa vie la nuit. Et du coup, on parle de nuit blanche, on ne dort pas beaucoup ici. Je ressens aussi des personnes là qui sont reliées à l'énergie des plantes, à la nature dans sa globalité. Je ressens des personnes là qui vivent à la campagne, possiblement. Et des personnes qui envisagent soit un déplacement pendant les vacances. Et j'ai d'autres personnes aussi qui envisagent. J'ai vraiment cette notion où on a besoin de prendre l'air. Ici, là, j'ai des femmes qui sont en plein de réflexion par rapport à du sentimental. J'ai vraiment le sentiment qu'on a été échaudé. J'ai vraiment cette notion de relation bancale. C'est comme si on avait accumulé de mauvaises expériences. Et du coup, on était un peu réfractaire à l'amour. J'ai vraiment cette notion de défensive.
Ici, je ressens un homme. Je ressens un homme là dans l'entourage des femmes en question. J'ai à minima cette notion de visu. Je ressens qu'il y a un homme là dans l'entourage des femmes en question, quelqu'un avec qui vous avez au minimum échangé, on me dit un regard, échangé j'ai cette notion de mots, de paroles, de conversation. Et c'est comme si il y avait un attrait des deux côtés, mais qu'on n'osait pas se lancer. Et je ressens les femmes là vraiment sur je ressens les femmes comme étant un peu apeurées, si vous voulez, de faire le premier pas. Parce que je ressens qu'on a eu énormément de déceptions, de douleurs. J'ai vraiment cette notion où les expériences affectives que l'on a pu avoir ont laissé une marque dans le corps et du coup on marche vraiment à tâtons et on parle même de résistance. Alors on parle de personnes très solaires ici, mais je ressens aussi des personnes qui sont également très sensibles aux énergies de la lune. Alors, je demandais si quelque chose allait se passer avec l'homme là qu'on me décrivait. On me dit ça dépend. On me dit que ça dépend de la réserve. On me dit que la personne en face, que l'homme en question est sur la réserve parce qu'il ressent un peu votre comment dire, votre aspect un peu fragile sans être dans le jugement. Je sens aussi qu'il y a quelqu'un de prudent aussi en face. Là, j'ai des personnes qui... J'allais dire qui tarde, qui espère concrétiser quelque chose là sur le plan de la matière d'un point de vue affectif, mais qui j'ai vraiment cette notion où on commence vraiment à grincer des dents parce que le temps passe et l'engagement ne se fait pas sentir. Ici, il faut faire un deuil du passé. Quand j'entends deuil du passé, c'est poser un pardon sur les événements difficiles là, qui ont pu survenir. On parle de roue de karma. Là, j'ai le sentiment que le divin met en place certaines choses pour vous aider à avancer. Et je ressens quand même une certaine forme de résistance, déjà par rapport à ces blessures. Parce que je ressens qu'on a été dépouillé ici. Dépouillé par une femme avec des intentions très noires. Et j'ai même pas le sentiment qu'on connaisse la femme en question. On parle d'une personne dans le jugement et hautaine aussi. On parle de supérieur, on parle de poste à responsabilité par rapport à cette femme en question.
Je ressens aussi la présence d'un autre homme là. Cet homme-là, je ne le ressens pas libre, libre de ses mouvements. Je ressens qu'il y a énormément de méchanceté et de jalousie autour de l'homme en question. Et que cet homme a été bloqué justement par rapport à sa capacité à être abondant sur le plan de la matière. Vous voyez, abondant au niveau financier comme au niveau matériel. On me dit un distributeur de billets. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Ici, j'ai une situation qui a été très compliquée à gérer. Le bonheur là que vous pouviez avoir avec le deuxième homme a été bloqué par la famille de cette personne. Et par une femme de l'entourage familial de cet homme en question, qui est encore bloquée là en ce moment. On me dit dans certains cas que la situation est vraiment verrouillée là, avec le deuxième homme là, qui a été bloqué par sa famille. Et qu'il n'y a pas, comment dire, pas d'issue favorable. En plus, je ressens que dans certains cas, l'homme en question, enfin le deuxième homme là, fait vraiment de la résistance. Dans le sens où cette personne sait qu'elle doit, comment dire, couper avec certaines choses, mais que cette personne s'accroche à cette situation. Et c'est comme si, à un moment donné, plus haut, ou un karma, peut-être le karma là, de la famille, hein, de la personne, de la femme là, que je ressentais, là, qui bloquait les choses, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va frapper fort. Et ce sera beaucoup plus souffrant, si vous voulez, pour l'homme en question. Parce que je ressens quelqu'un qui est déjà, qui a déjà été éclaboussé par la vie, mais c'est comme s'il allait y avoir une couche supplémentaire par rapport au fait que cette personne ne veut pas, si vous voulez, lâcher cette situation. Je ressens beaucoup de réflexion de la part de cet homme. Et beaucoup de magie noire, vraiment de la magie noire sur cet homme-là. Qu'on empêche d'avancer par rapport au fait que cette personne soit un distributeur de confort, d'argent et j'en passe. Dans d'autres cas, je ressens qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait des nouvelles sur l'été. Et certaines personnes aussi pourront même avoir des nouvelles de la femme en question, la diablesse.
En tout cas, on encourage là les femmes en question là qui sont dans l'attente de communication, de lâcher prise. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un là pas très loin de chez vous. Un homme que vous connaissez de visu, avec qui vous avez échangé des mots, avec qui il pourrait y avoir un, comment dire, une relation. Alors, on ne me donne pas forcément, comment dire, on ne me dit pas si c'est du sérieux ou pas du sérieux. En tout cas, je ressens que la personne est quand même droite dans ses bottes. Je ne ressens pas quelqu'un de bancal. Donc le conseil que je pourrais vous donner actuellement, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à cette deuxième situation. Ici, on me dit qu'on en saura plus sur le mois de septembre. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages, à activer aussi la petite cloche si vous souhaitez être notifié. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien de réservation pour les personnes qui souhaitent approfondir pour leur propre situation. On se dit à bientôt et puis merci encore.